Good morgen, allez, Iden, juste aujourd'hui, le Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna et Lucienne Batreina. Si vous souhaitez aussi des yeux, une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous disions à Sechet Nedarim, Perek Yodelef, Mishnah Zayn Yodéa, Ni, Sheyesh Nedarim. Avaleni Yodéa, Sheyesh Mefirin, Yafer. Eni Yodéa, Sheyesh Mefirin. Et Yodéa, Ni, Sheyesh Mefirin. Aval Eni Yodéa, Sheze Neder. Rabbi Meir Omer, Lo Yafer, Vachacham Omrim, Yafer. Problématique essentielle sur le droit du mari d'annuler les nédarim de sa femme. Soit, lorsque ma femme prononce un néder, on a déjà expliqué, un néder de inouï nefesh, un néder de beno le bena. Soit un néder où il y a une souffrance pour elle, ou bien un néder qui va affecter à mon bien-être. La Torah m'a donné le droit d'annuler ce néder-là. Dans la journée, comme ce qu'on a appris longuement, je dois annuler, j'interromps le néder, je suis méfaire le néder. Et donc je l'annule. Ok? Précision qu'on a déjà évoquée depuis maintenant longtemps, quand on a commencé le Perikyud, je pense. On a une journée pour interdire le Neder, mais quelle journée précisément? Pas la journée où elle a prononcé le Neder. La journée où, où j'entends, où le mari l'entend le Neder. Vaya Beyom Shemo Aisha. Alors la Torah insiste bien sur Beyom Shomo, le jour où il l'entend le Neder. Ça veut dire que si elle s'interdit le coca depuis 3 semaines, je suis au courant de rien. Et maintenant, je vais lui servir de Kohen, il me dit non, j'ai fait un Neder. Ah, t'as fait un Neder, je te l'annule. On est 3 semaines après, je peux annuler le Neder, parce que je viens de m'entendre aujourd'hui. On va selon le jour où j'ai entendu. Ok? Ça, c'est la donnée de base. Maintenant, dans le champ, on va découvrir une situation un peu plus délicate. Yodéa Nishayesh Nedarim, le mari dit, je sais que il y a. La Torah a dit que quand on fait des Nedarim, qu'on peut. Que la Torah a donné la possibilité de faire un Nedarim. Je connais la parasha de Nedarim. Mais je ne savais pas, aval eni yodea, sheyesh meferin, mais je ne savais pas que le mari il a le droit d'annuler le Neder. Toujours quand on lit dans la parasha, je n'écoute pas vraiment, je ne comprends pas tellement l'hébreu, moi, quand on lit dans la Torah, et qu'on dit Ishaï kimenu, ve Ishaï eferenu. Je sais pas si je ne savais pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait maintenant 2 semaines que ma femme, tous les jours, elle prononce un nouveau Neder, une fois c'est le coca, une fois c'est le lait, et puis une fois c'est autre chose. Et moi, j'écoute, je dis, dommage, tu te fais souffrir, moi, tant pis pour toi. Je sais pas. Après 2 semaines, on dit, mais moi, le mari, je peux annuler tous les nédarim de ma femme. Est-ce que je peux annuler maintenant tous les nédarim? Ou c'est trop tard, puisque je les ai déjà entendus. J'ai entendu le néder du coca il y a 2 semaines. Il y a 13 jours, j'ai entendu le coca du lait. Il y a 12 jours, le coca du fromage. Est-ce que je peux encore annuler le néder ou pas? Qu'est-ce que vous dites? J'ai déjà entendu le néder. Ce qui se passe, c'est que j'ai dit, ouais, mais j'étais pas au courant que le mari il avait le droit d'annuler le néder. La Mishnah. Elle me dit qu'il y a faire. Eh ben, j'ai le droit d'annuler le Neder. Le jour où j'apprends que j'ai le droit d'annuler les Nedarim, eh ben, ça s'appelle que c'est aujourd'hui le Yom Shomo. C'est aujourd'hui où tu entends le Neder. Parce qu'en fait, c'est un peu profond. La Torah m'a dit en fait que lorsque je n'ai pas annulé le Neder dans la journée, et que la nuit est tombée, en fait, c'est comme ça que c'est précisé dans Tifat Israël, je crois. J'ai plus de. Non, plutôt dans le Melchat Shomo qui expliquait ça, comme ça, de manière un peu plus marchava, philosophique. Expliquer le principe, c'est que lorsque j'entends le néder, je peux maintenir le néder, ou je peux me taire et je laisse le néder se maintenir. Mais ça s'appelle aussi de nouveau que je suis passivement, je suis en train de le maintenir activement, par ma passivité. Mais si je suis même pas au courant que je peux l'annuler, alors le fait que je me suis tué et que la nuit elle est tombée, c'est pas considéré comme si j'avais maintenu le néder. C'est clair? C'est l'idée en tout cas. J'aime pas tellement fonctionner avec des raisons au mitzvot, parce que sinon on va rentrer dans des questions. Vous allez me dire, et qu'est-ce qui se passe si jamais j'avais prévu que jusqu'au lendemain, je me laisse le droit de réfléchir? Non, ça ne marchera pas, parce que le Torah a dit que j'ai la journée uniquement pour annuler le Neder. Mais malgré tout, le cas un mari qui n'était pas au courant du tout qu'il avait un droit d'annuler le Nederim de sa femme, alors, il a encore c'est pas considéré qu'il a encore entendu le Neder, et donc, le jour où il apprendra cette halakha-là, en l'occurrence, si vous êtes tout nouveau dans les cours de Mishnah, vous venez d'apprendre que le mari peut annuler les nédarim, et bien allez-y, annulez tous les nédarim de votre femme, même depuis 22 ans, ou toutes les jouotes, aussi tous les serments de votre femme, et si elle a fait un vœu de donner de l'argent à la tzaka, vous pouvez tout annuler tout de suite. Ouais, et voilà. Ça c'est un. Maintenant, nouvelle situation. Yodéa Nishayesh Meferim. Le mari, maintenant, c'est un mari plus Meturkam, plus Chacham, plus, il a déjà assisté au cours de Mishnayot, tant bien que mal, il écoutait ça d'une seule oreille pendant qu'il conduisait, et il a appris que le mari peut annuler le Nédarim, mais il n'a pas vraiment compris quel type de Nédar, j'ai un peu embrouillé avec son histoire là, Eninui Nefesh, Beno le Bena, oui, non, non, oui,
Du coup, il sait que le mari il a le droit d'annuler les nédarim, mais il ne savait pas que ce néder-là, ça rentre dans le cadre des nédarim que le mari peut annuler. Yodéani Shayesh Meferim. Je sais que c'est possible d'annuler les nédarim. Avalen Yodéa Sheze Neder, mais je ne savais pas que ce néder-là spécifiquement, c'était considéré aussi comme un néder que le mari peut annuler. Sur ça, Rabbi Meir Omer l'a fait. Rabbi Meir Omer dit non, c'est trop tard, là tu peux pas, parce que tu as déjà entendu le néder, ça fait déjà 3 jours que tu entends. Ça fait déjà 2 semaines que tu as entendu le néder. Et tu savais que le mari il a un droit général. Tu ne savais pas, est-ce que spécifiquement, le néder que tu as entendu, et le droit que tu connaissais, que c'est possible, est-ce que il pouvait actionner sur l'autre? Tu avais déjà assez de connaissances dans ta tête pour être considéré que maintenant tu étais. C'est trop tard. Tu as raté le Yom Shemoa, le jour où tu l'as écouté. Il fallait le jour même te dépêcher d'aller vite poser la question grave, est-ce que tu as le droit d'annuler une erreur? Ou annuler dans le doute, puis après de poser la question. Mais si tu savais que c'est possible d'annuler, et que tu t'es pas posé la question sur ce néder-là, alors ça veut dire que tu as maintenu le néder et c'est trop tard, d'accord? Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Tandis que non! Tu pourras quand même annuler le néder ensuite, parce que finalement, si tu ne savais pas que ce néder-là spécifiquement, tu étais en droit de l'annuler si tu veux, alors ça s'appelle que tu ne l'as pas maintenu, tu n'étais pas au courant que tu avais le droit de l'annuler, donc ça s'appelle que tu ne l'as pas encore entendu en fait pour pouvoir le maintenir par ta possibilité. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Sela.